Tu as dépassé les bornes, Miguel. Tu es amoureux d'Isabelle. Non. Ah bon? Pas du tout. Non, 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 Raimundo, je... Je pensais plutôt à toi. Tu vas bientôt te marier avec Viviana. Et bon, Isabelle est un danger public qui posera problème à toute la famille. Tu permets que je décide de ma vie. Oui? Tu sais très bien que mon mariage avec Viviana va finir par un divorce. Tu dis qu'Isabelle est dangereuse, mais laisse-moi commettre mes propres erreurs. Pourquoi payer un prix aussi fort pour une passade? Qui est-ce qui me parle, là? Ce serait pas Miguel qui a piqué la femme de son frère aîné? Raimundo, vraiment, tu as encore beaucoup à apprendre de la vie, mon petit. Je te répète que j'ai besoin de commettre mes propres erreurs moi-même. Et mon erreur, c'est cette fille, Miguel, que ça te plaise ou non. Mon erreur s'appelle Isabelle Vélez, et personne ne peut changer ça. Surtout pas toi. Sérieux, Vivi, tu as un plan pour séduire Ray? Oui. Mais alors, c'est super. Oui, Tutti, oui, super, mais ce qu'il y a, tu vois, c'est que nous avons beaucoup de travail. Oh, alors, gamine, arrête de stresser. Non, 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 regarde. Avec cette petite chose, le tour est joué. Je me souviens d'un film où la fille en avait un presque pareil. Oui, et Tutti, elle le mettait tous les soirs. Oui, mais il faut mieux que tu t'en ailles. Allez. Estella, Estella, mais attends une minute. Ne jette pas Tutti dehors. Donne-moi ça. Elle a sûrement beaucoup d'idées qui peuvent nous aider. Et, tu vois, je le dis pour ne pas devoir perdre ma... Bon, tu sais quoi? Je vois. Hello! Ne me dis pas, Vivi, que n'a encore rien fait du tout avec Ray. Non, franchement, toi, tu en as perdu du temps, ma fille. Je vais te dire quelque chose. Quand on est amoureuse, toutes les énergies convergent de manière naturelle. Et toi, tu le sens parce que tu es amoureuse, non? Oui. Bien sûr, oui. Très bien. J'ai déjà en tête quelques petits jeux coquins que tu pourras faire avec Ray. Ah! Et quoi, tu as déjà choisi le lieu? Bon, non. J'en connais un fabuleux, hallucinant. Oui, mais... Chut, Stella! Tu vas passer une soirée inoubliable, ça je peux te l'assurer. Alors, mon vieux. Bien. Tu m'en veux toujours? Hein? C'est bon, mon ami. Je comprends quelle est la situation. Il y a ton compère. Il y a moi. Mais au moins, il y a la loyauté des deux côtés. Tenez. Et sachez que je vous donne l'adresse de la Noiraude pour que tous les deux, gens de Dieu et vous, soyez dans les mêmes conditions. Par contre, rendez folle la Noiraude. Rendez fou tout le monde. Séduisez-la. Mais vous me laissez en paix. Très
Très bien, mon vieux. Tu es bien plus grand que Saint-Benoît. Tu es le meilleur. Moi, le meilleur? Le meilleur entremetteur, vous voulez non, dire? Non, non, non. Tu sais quoi, mon vieux? Je vais faire en sorte que ton geste en vaille la peine pour toujours. Bien. Alors souvenez-vous-en pour le mettre sur ma tombe. Oui, parce que de ce trio d'abrutis, celui qui va dormir sous terre, c'est le fils de la vieille Lala. C'est-à-dire Florian Malpica. Ne dis pas ça, idiot. Si, je le dis. Si, je le dis. Et sachez, Portugais, que c'est la dernière fois que je vous aide avec ça. Alors voyez, Trinidad, séduisez-la, mais sans mon aide. Parce que je ne veux plus. Vous entendez, je ne veux plus. Bon, très bien. L'unique surprise, c'est ce que Vivi va faire à Ray. Tutti. Ah, Estella, arrête de stresser. J'ai changé, je ne ressens plus rien pour Ray. En plus, ce qui lui convient à lui, c'est cette Vivi. Oui. Et ces photos? Ce sont des repérages que Vivi a fait pour les spots publicitaires, tu sais. Et ce beau mec-là, c'est qui? Un noirot, hein? Hérisson, comme je l'appelle, mon amour. Il croit qu'il peut se faire Vivi et il a déjà une fiancée. Les hommes sont vraiment des voyous. Mais heureusement, Vivi l'a envoyé sur les roses. Pas mal. Ce type n'est vraiment pas mal. Et il travaille ici? Qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de travail à Barlovento? Emma, tu sais combien ces congrès sont exténuants? Oui. Mais j'imagine que vous aurez eu du temps pour vous amuser. Enfin, je ne sais pas, mais j'imagine. Dans ces congrès, il paraît que les gens en profitent toujours pour s'amuser un peu. Oui, c'est vrai, maman. C'est bien le voyage d'affaires le plus agréable que j'ai fait. Isabelle a eu la possibilité de visiter Barlovento. En plus, elle a vu une des cascades les plus belles de la région. Bon, oui. En fait, moi, réellement, je me suis bien amusée. Bon, oh, c'est vrai, la mer me manquait. Je crois que ça m'a fait du bien. C'est que, en vérité, la rivière et moi sommes pareils. Nous ne pouvons pas être séparés trop longtemps. Et comment tu faisais à Bogota? Allô, résidence Aristigueta? Qui? Non, vous vous trompez. Comment? Non, monsieur, vous vous trompez. Mais bon, qui est-ce qui insiste autant? Laissez-moi lui demander, mais je vous ai dit non. Une minute, oui? Célina, tu ne vois pas que tu perturbes le repas? Célina, qui est-ce? Un fou. Un homme qui est sûr qu'ici vit une Barbarita Blanco. Oh, Isabelle, tu t'étouffes? Félicita, donnez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Et dites-lui qu'ici, il n'y a personne du nom de Barbarita, voilà. Allô? Oh, Vierge Marie, qui peut bien m'appeler? Oh, pardon. Je suis désolée, monsieur, mais ici, il n'y a personne du nom de Barbarita Blanco. Que non, monsieur, je vous dis que non, vous vous trompez. Ah non, je ne sais pas, ce monsieur est désespéré, il dit que la seule chose qu'il veut, c'est entendre la voix de Barbarita Blanco. Isabelle... Toi, tu connais cette femme qui dit s'appeler Barbarita Blanco? Isabelle, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui est Barbarita Blanco? Ne frappe pas dans le ballon, ne lui donne pas de coups. Caresse le ballon, c'est ça, caresse-le. Oui, c'est ça, Climaco. Bonjour. Tu es déjà un vrai entraîneur. Écoute, j'ai pas fini le cours, mais si tu veux, j'arrête et Non, ça n'est pas nécessaire, mais... Bon, laisse tomber. Je suis seulement venue pour voir s'il se passait quelque chose qui m'empêcherait de faire une erreur. De quoi tu parles, copine? Non, rien, des bêtises. Tu sais, hier soir, j'ai parlé avec Ray et nous avons fixé une date pour le mariage. Sérieusement? Oui, et aujourd'hui, je lui ai préparé quelque chose de très spécial pour lui montrer combien il est important pour moi. Oui. Génial. Tu vois, je suis très émue parce que j'imagine déjà la vie avec Ray. Les deux heureux ensemble, avec beaucoup d'enfants. Pas heureux, mais super heureux.
Qu'est-ce que tu en penses? Non, bon, je te souhaite toute la chance du monde et... Bon, à la fin, ce qui est important, c'est ton bonheur, non? Bon, qu'est-ce que je fais? Parce que je raccroche, parce que je sais pas, ça fait un moment que... Passez-le moi que je lui parle, allez. Allô, bonjour. Je suis Bernarda Arestigueta. Avec qui suis-je en train de parler? Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Isabelle. Mon Dieu, Isabelle, Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Isabelle. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Isabelle? Eh, mais Trinidad, mais... Tu es une brute. Définitivement, tu es une brute. Mais moi, la seule chose que je voulais était d'entendre la voix de ma fille. Et ça peut être aussi la dernière fois que tu l'entendras. Mais mon Dieu, quelle idée! Quelle idée as-tu eu, mon Dieu, d'appeler cette maison? Béni sois-tu, Seigneur! Tu n'as rien compris à ce que nous avons dit hier soir, Jean de Dieu! Mais Trinidad, calme-toi, s'il te plaît! Je ne vais pas me calmer! Tout ce que tu apportes avec toi, c'est du malheur et tu pars d'ici, pauvre type! Tu es une brute! Béni soit le Seigneur! S'il arrive quelque chose à ma fille, tu me le paieras, Jean de Dieu! Tu me le paieras! Va-t'en d'ici! Va-t'en! Allez, numéro 9, tu peux le faire! Allez, tu peux le faire! Pardonne-moi, Viviana. Attends, que je sois heureuse... C'est vraiment la seule chose à laquelle tu penses, c'est ça? Mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Viviana? Si toi, t'es en train de me dire que... Que tu aimes ton fiancé et que... Et que tu vas lui faire une belle surprise... À la fin, la seule chose importante, c'est que tu sois heureuse, non? Viviana! Climaco, Climaco, t'as vu cette feinte? Non, copain. Je l'ai raté. Ou plutôt, je l'ai perdu. Barbara. Mais qui a bien pu m'appeler? Excusez-moi, Madame Isabelle. Ah, Félicité vous envoie un autre thé pour le malaise. Je ne me sens pas mal, Célina. Je suis seulement fatiguée. Fatiguée de quoi? De tout. Non? Et que devrais-je dire, moi? Non, rien, car il faut que je travaille comme un nègre. Ah, pardonnez-moi. Oh, donne-moi des forces, Sainte Barbara. Vous en avez besoin, c'est sûr. Parce que vous avez eu un malaise à table. Et vous êtes devenue toute blanche avec ce coup de fil. Merci pour le thé, Célina. Je vais le prendre et je vais m'allonger un peu. Pardonnez-moi. Est-ce que vous sauriez qui est la femme qu'il recherche? Oh, faites-moi confiance, Madame Isabelle. Dites-moi, qui est cette Barbarita Barbarita Blanco. Pardonnez-moi. J'allais seulement... Pardonne-moi, Célina. Pardonne-moi, c'est que je ne me sens pas très bien. Et toi, tu poses beaucoup de questions. Je vais un moment dans le jardin, d'accord? Madame Isabelle est encore plus étrange qu'un perroquet blanc. Et ce livre avec son nom... Ici, il y a Anguille sous roche. Ni un baiser. Ni même un sourire. Je voudrais te demander.
Ah, mon cœur n'avait jamais osé rêver un seul baiser de tes lèvres. Sais-tu ce que je veux? Qu'est-ce que la satiété amoureuse? Seulement humer l'air embaumé qui m'a embrassé de ses ailes lorsque tu es passé. Mon Dieu, qui ça peut être à cette heure? Oh, quel ennui! Moi, toute seule dans cette maison. Oui. Miguel? Je peux entrer? Si, bien sûr, entre. Je t'en prie. Isadora, tu étais en train de répéter. Désolé, je sais que ça te dérange beaucoup qu'on t'interrompe. Si tu veux, je reviens plus tard. Non, s'il te plaît, Miguel, reste. Pour toi, j'ai toujours du temps, tu le sais. En plus, je te dois un paquet d'excuses. S'il te plaît, assieds-toi là. Assieds-toi. Tu sais, la vérité est que je me sens très mal à l'aise pour l'autre soir. C'était une erreur d'aller à ton appartement et de te préparer un dîner romantique. Et en plus, pour Barlovento. Oh, Miguel, qu'est-ce que je peux te dire? Que je suis désolée d'être comme ça, que... Je suis en train de me comporter comme une de ces mégères qui... C'est quoi ça, Isadora? Je suis pas venu pour te faire des reproches, tu sais, et te voir t'humilier devant moi. Pas du tout. Tu n'es pas une mégère. Tu es une artiste. De plus, tu es une femme très belle, brillante. Bon, oui. Pour ce que tu as fait à Barlovento, je n'ai pas apprécié, mais je le comprends. Regarde ce piano. Les partitions. Tu sais combien tu as reçu de prix, Isadora? Comment peux-tu te traiter de mégère? Oui, beaucoup de prix, et puis beaucoup de décorations, et beaucoup de concerts. Mais je me suis comportée comme une idiote, Miguel. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis dévorée par la jalousie. Oui, Miguel, je suis morte de jalousie parce que je ne supporte pas de te voir à côté de cette femme. Oui, Roxana. S'il te plaît, dis à Monsieur Miguel que les camions avec la marchandise qu'il a commandée sont arrivés. Sois tranquille, je le préviens. Ah, merci. Salut, tu dois être Climato, l'assistant de Ray. Climaco Blanco Guaramato, à votre service. En quoi puis-je vous aider? Je vais te le dire. Précisément, c'est toi que je cherchais, Climaco, pour te donner un message de ton chef. Ah bon? C'est vraiment très facile. Viens avec moi. Ok. Tu as joué comme une déesse. Tu penses? Je ne le pense pas. Je le ressens vraiment. Tu es la meilleure, Isadora. Est-ce que tu te souviens de cette chanson? Oui, bien sûr que je me souviens de cette chanson. Non, en fait, je m'en souviens pas. Pardonne-moi. C'est quoi le titre? Toujours dans ton cœur. Je la joue quand je suis nostalgique. Nostalgique de ton amour. Oui, bien sûr. Bien sûr, comment ne pas m'en souvenir? Oui, je m'en souviens parfaitement de cette chanson. Je ne suis pas très calé en musique. Miguel, tu te souviens de la première fois qu'on a entendu cette chanson dans ce bar? Oui. Oui, bien sûr que oui. Il y avait tous tes amis musiciens et ton professeur de musique, Martinez, et Rodolfo. Ah non, Miguel, non. Ah vraiment, je n'ai pas envie de parler de Rodolfo. Est-ce que tu te souviens aussi qu'après, nous sommes retournés là-bas? Oui, on y est allé au moins 1 million de fois. Oui, je n'oublierai jamais cette nuit-là, tu t'en souviens, toi? Ah, cette nuit, je sais pas, nous avons bu quelques verres de trop. Et ce fut la première nuit où nous avons fait l'amour. Ah oui, pardon, je suis trop bête. Écoute, Isadora, qu'est-ce que tu vas jouer d'autre au concert? C'est toi que je veux pianoter. Au minimum. Tu payes en nature?
Tout est, je suis fatigué d'escalader les montagnes. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce petit jeu me fatigue. Bon, je perds alors, oui. Non, non, je vais pas perdre plus de temps. Je m'en vais. Waouh! Je gagne toujours, Toti. Et moi, j'obtiens toujours ce que je veux. Tu me montres ça? On y va. Oh, eh ben, Toti, Toti, tout ça c'est à toi, mon amour. Et à toi aussi, mon objet sexuel. Oh, que c'est bon. C'est ce que j'admire chez toi. Ta discipline, ta passion pour ce que tu fais. Mm-hmm. Tu peux écouter une chanson jusqu'à ce que tu saches la jouer à la perfection. Moi, je pourrais vraiment pas être musicien. Ah, Miguel. Ce concert est très important pour moi. Il est dédié à l'amour. À l'amour impossible. Non. Non, Isadora, l'amour est toujours possible. Tout dépend de la force de ton cœur. Eh bien, Miguel. Miguel, comme tu as changé. Je dois me confesser. Oui? Ce Miguel me plaît. Ce Miguel. Vraiment, pardonne-moi, Isadora, je crois que ce ne serait pas honnête vis-à-vis de toi. Pardonne-moi. C'est la troisième fois que je me rends ridicule cette semaine. Non, 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 ce n'est pas toi, Isadora. C'est moi. Moi et quelque chose que je n'ai pas résolu. Vraiment, pardonne-moi. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Tu reviendras. Je le sais, Miguel. Je te jure que tu vas revenir avec moi. Estella, je ne sais pas. Et je n'étais jamais venue dans un endroit comme ça. Dans un hôtel. Ah, mon amour, c'est divin. Et après, quand tu t'y habitues, mon amour, tu ne peux plus t'en passer. Attends, écoute. Et tu crois vraiment que Ray va venir? Oui. La Tutti l'a appelé. Bon, il a confirmé, je crois qu'oui. Ah bon? Raconte-moi comment tu te sens. Moi, trop nerveuse. Je ne sais pas. Bon, je sens que ça va être un moment super important pour moi. La vérité, c'est que maintenant, je ne suis plus si sûre. Estella, ce qui arrive, c'est que j'ai toujours pensé que ma première fois allait être dans un endroit différent, dans d'autres circonstances. Ah, ce n'est pas important, mon amour. Mais après avoir fait l'amour, tu en prends l'habitude et ça se convertit en une nécessité, sœurette. Ah, c'est comme manger. Hein? En effet, je suis à la diète et ce n'est pas précisément par goût. Est-ce que tu crois vraiment que Ray est l'homme indiqué pour, bon, tu sais, pour perdre ma virginité. Virginité. Oh, Vivi, s'il te plaît, ne me dis pas que tu penses encore au hérisson. Non, 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 moi, lui, je ne vais plus jamais. Non. Ok, alors ça me paraît très bien. Ok. Tu vas répéter avec moi ce que tu vas dire à Ray quand il arrivera. D'accord. Mais avec une voix sensuelle. Ok. Tais-toi et embrasse-moi. Mais dis-le vite parce que je dois aller au bureau chercher mes affaires. Non, 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 ça arrive, ça arrive. Dis-le. D'accord, ça vient. Ok. Tais-toi et embrasse-moi. Ok, Vivi, on dirait que tu pleures. Dis-le encore une fois, ça fait peur. Plus sexy? Plus sexy. D'accord. Tais-toi et embrasse-moi. Tu ris toujours. Bébé, s'il te plaît. Et ça va me servir à quoi? Ah, ça c'est une bande que tu vas mettre sur les yeux avant que Ray n'arrive. Avant que Ray arrive? Comment je vais le voir alors? Oublie pas, tais-toi et embrasse-moi. Ciao. Tais-toi et embrasse-moi. Mon Dieu, aidez-moi. Rodolfo ne m'appelle pas
Et ces hommes sont toujours sur le trottoir. J'ai besoin de parler avec lui. De lui dire que ces types m'ont arrêté à la porte et qu'ils m'ont demandé où était mon tricheur de mari. Oh. J'ai besoin que tu me dises où il faut que j'aille. Et David, qui n'arrête pas de pleurer, comme s'il sentait le danger. Oh, oh mon Dieu, protège-nous, veille sur nous. Oh, oh, oh mon Dieu, oh, mon Dieu, j'en peux plus de ça. Oh, je sens qu'il me manque de l'air. Oh, je sens que j'étouffe quand je lis tout ça. Oh, oh. Oui, oui, ciao. Ah, Stella, mon Dieu, depuis quand tu travailles autant ici, mon amour? Bon, du moment que Vivi sait ce qui est bon. Bonsoir. Bien le bonsoir. Bonne hanche. Blonde naturelle. Taille de guêpe. Chaussures de marque qui ne doivent pas être données. Ses yeux n'ont pas de prix. À te juger. Je dois sortir d'ici, j'ai si peur. Oh, mon Dieu, comment peut-on être aussi cruel? Tuer une famille entière, les brûler pendant qu'ils dormaient. Oh, pauvre Francisca et les enfants si petits. Oh, voilà comment ils se sont vengés de Gustavo en tuant sa famille. Oh, et maintenant ils viennent pour moi. Oh, maintenant, ils viennent pour moi et pour David. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, moi j'en peux plus de tout ça. Oh mon Dieu. Oh. Isabelle ? Isabelle, Isabelle, tu vas bien ? Isabelle. Isabelle. Isabelle, Isabelle, qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Isabelle, qu'est-ce que tu as? Je viens... Chut. Tais-toi et embrasse-moi. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que je ne te plais peut-être pas. Tais-toi et embrasse-moi, oui. Oh, s'il te plaît. Tu vas pas bien, Isabelle. Il vaut mieux que j'aille... Cette fois, c'est mon tour, Miguel. Je l'avais dit. Viviana ? Tu sais, moi, un homme ne m'avait jamais embrassée comme ça et je n'aurais jamais imaginé que c'était ce qu'on ressentait. Ah, bon, pardon, mais je suis un petit peu nerveuse. Mais j'ai senti comment chaque millimètre de mon corps tremblait. Et je n'aurais jamais pensé que ton goût serait si doux. Non, t'es rien. Je veux seulement te sentir comme ça, près de moi. Que tu me caresses, que tu m'embrasses, que tu me cèdes. Je veux que tu me fasses l'amour.
Ray, qu'est-ce qu'il y a? Ray. Ray. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il l'embrasse. Isabelle est en train de l'embrasser. C'est comme ça, et ça continuera. Isabelle! Chut, ça va, calme-toi. Respire peu à peu, oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Que... J'ai senti que... Tu t'es évanouie, Isabelle. Comment tu te sens? J'ai encore des vertiges. Oui, bien sûr. Je me souviens. Raimundo, tu m'as embrassé? Tu étais en train de m'embrasser, pas vrai? Ah bon? Mais je savais pas que tu étais le directeur de la pub! Bien sûr que je vais aller au rock avec toi. J'ai dit à Viviana que les lieux qu'elle a choisis sont très beaux. Mais je préfère un ton un peu plus... Plus... Comment dire... Caribéen. Exact, ce serait beaucoup mieux, tu comprends. En plus, nous n'aurions plus aucun frais de transport. Ce serait beaucoup plus simple parce que... On prendrait mon avion personnel. Avion privé, intéressant. Oui, nous pouvons aussi aller à la demeure des Rocks qui est à ma famille. J'ai une petite maison là-bas. Une demeure aux Rocks? Très intéressant. Mais je connais ce terrain de football qui est sur cette photo. Je le connais bien. Parce que je suis membre du club. Ah oui? Tu es membre du club, hein? Moi aussi, je suis membre, je ne savais pas. Blanc naturel. Chemise de marque 350 000 bolivares. Montre de collection, 25 000 dollars. Adjugé. C'est toi. Je comprends pas pourquoi Ray n'est pas encore arrivé. Bon, il est parti comme ça sans donner aucune explication, d'accord? Je sais que je lui ai pas laissé le temps de parler, mais c'était pas non plus la peine de partir comme ça. Hein. Ou alors il a eu peur. Mais dans ce baiser, Ray m'a prouvé qu'il m'aimait. J'ai senti comme il me donnait tout, oh mon Dieu! Est-ce que je suis amoureuse pour la première fois? Hein? Est-ce que tout ce temps j'étais amoureuse de Ray et que je ne savais pas? Tu es une ingrate, tu sais. C'est comme ça que tu remercies celui qui t'a sauvé la vie? Maintenant, je me sens comme une semelle de chaussures. Quelle honte. Je meurs de la honte que tu me fais passer, Raimundo. Alors, meurs et je te ressuscite avec mes baisers. Tu verras. Je suis le roi du bouche à bouche. Jusque-là, tout allait bien. Isabelle, cool, écoute. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à toi? Oui. Merci. Vraiment, merci, Raimundo. Un jour, je te le revaudrai. Un jour, tu me le revaudras avec tendresse. Oui? D'accord. Mesdames, messieurs, Raimundo, 1. Et Miguel, 0. Toi, tu vas où et avec qui? Je peux savoir? Qu'est-ce qu'il y a, Nena? Je ne sais pas, tu ne t'habilles jamais comme ça. Tu dis toujours que je m'habille à l'as de pique. Maintenant que je veux bien m'habiller, tu me le reproches. Écoute, ne crois pas que je suis si bête que ça, Gaëtan. Tu sors avec une autre femme. Écoute-moi bien, si les hommes ne s'habillaient que pour sortir avec d'autres femmes, alors les tailleurs seraient ruinés pour de bon. J'ai, disons, un rendez-vous avec quelqu'un. Pour qui j'ai de la tendresse. Ah! Oh mon Dieu, pardon. Tu ne connais pas ça, pas vrai? Mais quoi?
la tendresse. Gaëtan ? Miguel ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bon, je corrigeais des mémos qui... Va-t'en, 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 là, je veux être seul, par pitié, va-t'en ! C'est que je ne peux pas, parce que les fournisseurs doivent recevoir... Je n'en ai rien à... Rien à faire des fournisseurs, s'il te plaît, pour une fois dans ta vie, écoute-moi ! Va-t'en, sors d'ici ! Oui, ok ! Tu es un idiot, Miguel. Parfait idiot. Tu t'es laissé tromper par cette... Par cette... Tu parles d'une douce Isabelle. Isabelle, mes fesses, hein ? Couleuvre, serpent venimeux, oui. Une sorcière avec une verrue. Oui, c'est ce que tu es. Et moi, un parfait imbécile qui est tombé amoureux. Allez, mon vieux. Fais-moi bon accueil parce que cette nuit, j'ai un paquet de bonnes choses à fêter. Non. Non, non, non. Sans argent, tu ne fêtes rien du tout. T'as une ardoise là qui est aussi croulante que toi, mon vieux. Ah, bien alors. Calme-toi, Noireau, calme-toi. Enfin, je t'ai retrouvé, Jean de Dieu. L'heure est arrivée de sortir la langue. Tu sais, c'est comme pour les pendus. Bonsoir, Trinidad. Que fais-tu ici, Portugais ? Je t'ai apporté ces fleurs parce que j'ai pensé que ça te ferait plaisir. À partir de ce soir, où que tu sois, j'y serai. Où tu iras, j'irai. Moi aussi. Ravale tes mots. Écoute, je ne suis pas venu me battre. Ça, même Ephraim dans sa tombe ne croirait pas. Que veux-tu ? Attention, Jean de Dieu. Attention. L'affaire est qu'il faut exhumer le corps de celle dont tu as dit que c'était ta fille. Respecte-la, mon vieux ! Arrête, Jean de Dieu, arrête ! Je t'ai déjà dit que je ne cherchais pas la bagarre. Alors tu vas laisser ma fille en paix. Pourquoi veux-tu fouiller sa tombe ? Exhumer, Noireau. Techniquement, ça se dit exhumer. Je ne vois pas pourquoi. Les choses de la loi. Je suppose que c'est pour pouvoir fermer le dossier. Les Blanco, nous n'avons absolument rien en suspens avec la loi. Et alors, quel est le problème, mec ? Hein ? On exhume le cadavre et tout le monde sera en paix. Tout reste clair, Noireau. Moi, j'ai perdu mon papa et toi, tu as perdu la café au lait. On est à égalité, Noireau. Tu dois seulement signer cet ordre. Fais-le, et je te promets que je te laisse en paix, toi et toute ta famille. Qu'est-ce que t'en dis, Noireau ? C'est bon ? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire ? Ben ça, les fleurs, toi ici, et moi, j'étais très claire avec toi. Toi et moi, de loin. Et je l'ai respecté. Non, c'est pas vrai. Si, je l'ai respecté. Seulement, je venais voir si... Non, rien, si tu pouvais payer la note. La note ne m'intéresse pas. Mais elle me donne des motifs pour t'amener ces jolies fleurs. Alors, Noireau, dès demain, nous partons pour Barlovia signer ses papiers et on aura fini. Non. Pas demain, non. Je ne suis pas pressé. Un autre jour. Eh bien, moi, pauvre type, je suis pressé. Eh oh. Pauvre type, toi-même. Et ne me presse pas, sinon je ne signe rien, et encore mieux. Prends la route et ne t'approche plus de ma famille, ni même de la tombe de Barbarita, parce que sinon je me charge de toi. Je me retrouve toujours avec une vipère, mais elle, c'est la pire de toutes. Et maintenant, que t'a-t-elle fait, la méchante ? Ce barrage a un nom et un prénom, Isabelle Vélez, non ? Elle s'est mariée avec Rodolfo par intérêt. L'ambition unie avec l'escroquerie, c'est une arriviste. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Que t'a dit le détective ? C'est une voleuse ? Ce n'est qu'une menteuse, voilà ce qu'elle est. Mais Isabelle Vélez va savoir qu'on ne joue pas avec moi et qu'on me respecte. Je veux la voir pleurer, je veux la voir implorer mon pardon. Ça, je te le jure, Rolando. Je vais faire courber le dos à Isabelle Vélez. Arrête-toi, Wilfried Melendez ! Arrête-toi et bats-toi, Froussard ! Arrête ! Arrête ! Non, mais reste tranquille. Tu restes bien sage. Allez, reculez, reculez.
La prochaine fois, pauvre taré, je vide mon arme en entier contre ta tempe, gros débile, tu m'entends? Pourquoi tant de rage? On se le demande. Elle était en train d'embrasser Raimundo dans le jardin de la maison. Dans la maison des Aristigueta? Ça a dû te sembler très moche, non? Mais au congrès, rien? Non. Non, non, à la convention, elle m'a demandé de la croire, elle tremblait dans mes bras, elle paraissait sincère. Écoute, frérot, si c'est comme ça, il faut lui donner un Oscar en tant que veuve noire, non? Écoute, dis-moi, et maintenant, quoi? Maintenant, quoi? C'est l'heure de la vengeance. Maintenant, l'heure de la vengeance a vraiment sonné. Bon, frérot, écoute, on va pas se mentir. Toi, t'es un brave type. Tu devrais alors te changer en un autre Miguel, quelqu'un qui n'en a rien à faire des gens, qui se fout de tout, et tu finirais par te changer en un autre Rodolfo. Bon, si c'est ce que je dois faire, je le ferai, et tu vas m'y aider. Hein? Je suis prêt à tout, Rolando. Cette femme va souffrir. J'irai jusqu'à sa destruction. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. Él es el amor que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.